Monsieur Jacques Lee, bonjour. Ou le trésorier de United Chinese Association. Aujourd'hui, The Fin lance un petit groupe qui appelle UCA Patrol pour contrôler un petit peu la situation dans Chinatown le soir. Qui fait The Fin Ferra? Au fin d'une faire ça, c'est pour un peu montrer présence, nous présence dans Chinatown suite à mon attaque qui est là récemment, deux dans l'espace une semaine. Et plus important, c'est que nous sommes membres, c'est tout volontaire. Et c'est tout, il a un background d'arts martiaux. Et qui signifie déjà la maîtrise de soi et maîtrise dans des circonstances difficiles, des circonstances de panique. Mais tout de même, vous pouvez rassurer moi qu'ils n'ont pas pu prendre la loi dans votre armée. Effectivement. Et nous pouvons travailler en toute légalité. Et ce matin, nous tenons une réunion avec CPD et nous avons des guidelines qui nous peuvent suivre. Et surtout, la façon de communication entre nous et la police. Effectivement, plutôt nous prenons l'IGE pour la police, le premier cas. Et le deuxième cas, c'est plus ou moins ce qui nous présente, c'est nous espérer une déterrente pour les malfaiteurs. Et ça va même de l'UCA Patrol là. Est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça, service ça? Non, c'est tout volontaire. Et comme on dit, tout ça, les membres du patrouille là, ce sont les adeptes d'arts martiaux. Et nous avons un principe, nous avons une philosophie de la vie et de l'art lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup.